Et cette année, nous avons pensé parler de la chaîne de valeur. Vous savez, la foi de Lomé, l'objet essentiel, c'est de faire en sorte que les entreprises puissent promouvoir leurs affaires, pour que les entreprises puissent avoir de la valeur ajoutée par rapport à ce que elles ont l'habitude de faire en termes de commercialisation et de leur business. Et donc, nous essayons de voir à chaque fois qu'est-ce que nous pouvons faire pour ces entreprises-là pour que elles puissent avoir ce plus que nous cherchons. Et nous avons pensé cette année à la chaîne des valeurs. Il est bien vrai que c'est un concept, mais tout à fait nouveau. Justement, nous agissons par rapport au concept nouveau pour qu'elles puissent les découvrir et elles puissent les adopter et les adapter par rapport à leur façon, à leur conduite pour que la valeur ajoutée, la richesse. Et parce que vous le savez également qu'une entreprise est à la recherche de la création de la valeur et de la richesse. Donc, tout ce que nous pouvons faire pour les aider à atteindre cet objectif-là, nous inscrivions dans ce contexte. Donc, avec la chaîne des valeurs, ce concept tout à fait nouveau, nous voulons qu'elles arrivent à approprier cela, à faire en sorte que, au niveau de leurs entreprises, que elles puissent adopter le concept pour que ça puisse prospérer. Donc, pendant la foire, nous allons parler de cela. Et en tant que chaîne de valeur, en tant que concept, il faudrait que les entreprises sachent comment est-ce que, sur les différents aspects, les différentes activités qui sont menées, jusqu'à ce que, si nous prenons par exemple un produit, que ce produit puisse être commercialisé et être consommé. Et quelles sont les différentes phases, les différentes activités qui sont menées, surtout à chaque étape, quelle est la valeur qui est créée? Comment ça se crée? Parce que il peut y avoir des étapes qui sont très déficitaires et d'autres qui sont très excédentaires et d'autres qui ont la possibilité de donner plus. Donc, c'est à travers ces analyses des différentes étapes, des différentes activités, que l'on peut se rendre compte, ou bien qu'on peut se rendre à l'évidence, que nous gagnons au niveau de telle activité, mais nous perdons beaucoup et au niveau de l'autre, mais nous avons également des marges, compte tenu de nos expériences. Compte tenu de notre façon de faire, nous avons des marges que nous pourrions encore, comment le dire, prospérer pour pouvoir avoir plus de valeur. Parce que la finalité, c'est quoi? C'est que le produit puisse arriver à être concurrentiel sur le marché. Concurrentiel et compétitif pour que, au finish, ça puisse mieux se vendre. Parce que c'est lorsque le produit se vend mieux qu'on agrège de la richesse. Vous voyez, donc c'est l'objectif que nous voulons poursuivre cette année lorsqu'il s'agit d'avoir un thème pour la foire de Lomé. La foire internationale de Lomé, foire de toutes les opportunités.